to your favorite modern world. L'ancien tribute de Pink Floyd revient cette année avec un nouveau concept album intitulé Crime Scene. J'ai découvert le groupe allemand RPWL en live en première partie de Pendragon il y a bien longtemps, et j'avoue que leur performance avait quelque peu éclipsé celle de Nick Barrett. Je les ai vus bien des fois depuis en concert et je m'offre tous leurs albums, même lorsqu'ils reprennent leurs premiers amours. Crime Scene, ce sont 6 morceaux de 4 à 12 minutes qui nous plongent dans la noirceur des enquêtes criminelles. Pour paraffer la fiche promo, en 2020, durant le confinement, la police allemande a enregistré 120 000 cas de violences conjugales, dont 139 avec une issue fatale. Une violence banale qui rencontre celle des grands meurtriers de l'histoire comme le cannibale Karl Denke ou le nécrophile Karl Tanglock-Jorg, dont l'histoire est racontée dans un EP de And You Will Know Us by the Trail of the Dead. Tout ça, et bien d'autres choses encore, RPWL le raconte dans ce concept album particulièrement mélodique qui reste dans la lignée de leur précédente production, mais qui se distingue pourtant du lot. Si Tales from Outer Space ronronnait un peu trop à mon goût, je trouve qu'avec Crime Scene, RPWL se renouvelle sans nous déstabiliser. La recette est toujours la même, les guitares floydiennes de Cal, le chant feutré de Yogi, la touche Frenchy de la batterie de Mark et des claviers pour emballer l'ensemble. Le groupe a d'ailleurs perdu son claviériste principal et gagné au passage un bassiste. Cal passe derrière les synthés et abandonne la 4 cordes au petit nouveau Marcus Grunstner. Si on retrouve le RPWL mélodique de Roses sur cet album, certains morceaux comme Victim of the Desire ou Another Life Beyond Control nous embarquent dans un prog un petit peu plus audacieux, justement ce qu'il manquait à Tales from Outer Space pour en faire un album remarquable. Ouais, je n'ai rien contre un titre comme Life in a Cage, où Cal en fait des tonnes à la guitare. Bien au contraire, puisqu'il s'agit d'un de mes morceaux préférés de l'album avec le long format King of the World. Je ne vais pas vous mentir, j'ai reçu Crime Scene en promotion, ce qui explique cette chronique si précoce. Malgré des mails véhéments de protestation, le label m'expédie toujours leurs disques. Le bon côté de tout ça, c'est qu'après une écoute, j'ai précommandé l'édition vinyle de Crime Scene en toute confiance. Bon, d'accord, je l'aurais certainement commandé de toute façon. A noter pour les fans, ils ne joueront qu'une seule date française chez Paulette le samedi 8 avril. Alors surtout, ne les manquez pas. C'est tout pour cette semaine. J'espère que vous aimerez l'album. A très bientôt, bisous.